Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fallout 4. Et du coup on se retrouve devant le commissariat de Cambridge qu'on connaît déjà. On avait aidé des mecs de la confrérie de la scie. Je sais pas s'ils sont encore dedans. Je crois pas. Si, ils sont encore dedans. Eux, ça fait 3 ans que je les ai abandonnés là, ils en peuvent plus. Parce que je veux pas commencer cet arc. Pas tout de suite. Normalement j'ai tout fouillé. À moins que j'ai oublié des trucs. Mais bref. Ok. Alors. Mais je suis con moi aussi, putain. Ouais non. Hop. Ok. Attends, Ah, attends. Houston, we got a problem. Bah ça peut être que le W du coup, non? Mais y a pas d'autre mot avec un W, me semble-t-il. Ah, y a le S. Wow, t'as la fatigue, incroyable. Il y a beaucoup de mots en S. Bon bref, tu sais quoi, vas-y, c'est un terminal novice, on va pas essayer de réfléchir. Génial. Voilà, hop, ça dégage. Bon, je vais pas lire parce qu'en vrai ça c'est pas super intéressant à part mettre à jour... Mettre à jour sa carte, ça ne change pas beaucoup. Enfin, ça nous apporte pas beaucoup de choses. Hop, du coup on se casse. Ok, du coup, on est sorti du Comico, et là on va à un autre Comico que j'ai pas encore exploré. J'ai tout exploré presque, aux environs, à part un crash d'avion on dirait, et un camp là-bas. T'as le Comico du ghetto. On va fouiller avant d'aller faire le ce pourquoi nous sommes venus. La matraque. L'objet qui termine dans les fesses des gens. Quel plaisir. Pas du tout. Bon là c'est pareil, on va faire ça très vite. What? Houston? Attends. 7 mètres, ah d'accord. Message à l'attention de Charlotte Wayne. Ma chère Madame Wayne, j'espère que vous vous portez bien. J'imagine que oui, depuis notre petite affaire commune du mois de mai. Si ma mémoire est bonne, cette palette de Buffout vous a rapporté une petite fortune. De même qu'elle a valu 8 ans de prison. Je sais plus si ça coupe le dialogue. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas recommencer? Et merde. Qui se met en travers de notre chemin. Avoir des ennuis. Vous les cherchez. Ensemble, on les aura tous. Et Boston sera à nous. Qu'ils jouent donc aux dames si ça les amuse. Nous, on jouera aux échecs. C'était un message de la part d'Eddie Winter. Ok. Du battle. Donc je sais pas ce que c'est le battle. Non. Oh.
Bruh. Ah, j'aime pas quand mes balles elles bug là. Parce que je pense que j'étais sur sa tête. Hein. Mais bon. Vas-y, ça bug aussi. Oh. Casse-couille. Les collisions là. Techniquement, elle est pas sur le toit. C'est quoi ça? Je la vois pas. Bonne manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement. C'est vrai que ça peut servir. Ok. Excellent. Chance de faire vaciller la cible à l'impact. Pourquoi elle avait ça sur elle? What? Oh, j'ai tout pris. Oh, le con. Oh, le con. Jeter. Ils ont quand même fait les forceurs à mettre 10 cassettes. 10 cassettes, ça fait une quête tellement longue. Au début, je me suis dit, vas-y, c'est fun et tout, mais en vrai, c'est long quand même. Après, je dis pas, ça nous fait visiter et tout, mais bon. Ça fait beaucoup là, non? Salut. La fuite est encore possible. Tu vas me payer. De nous sous-estimer. Je crois qu'on va tester le shotgun, hein. Hey, je crois que j'ai vu quelque chose. Ouais. Je teste une fois, si j'y arrive pas, Nick. Ça y est. Ah bah, j'ai réussi. Nickel. Chez mon pote, hein. Sparta. Oh, très stylé comme pseudo. Attends, j'arrive. Je vais m'occuper de toi. Il fait mal. Mais il est mort. Sérieux? Ah ouais, toi tu t'appelles Sparta, mais tu meurs avec une grenade, quoi. La grenade de mon sbire. Là, ça va chier. Il en reste plus. Ouais, effectivement, le recul, il est assez considérable. Message à l'attention d'Alexander Stranikov. Très estimé monsieur Stranikov. Je sais que les gens de votre profession accordent une importance extrême à la discrétion. Mais je dois très honnêtement vous dire, merde, on s'en fout. Sérieusement, d'une seule balle tirée de l'autre côté de la ville, vous avez Ah d'accord, j'avais la clé. Tous les assassins russes sont-ils aussi doués que vous? J'en doute très sincèrement. Mais écoutez, votre secret ne risque rien avec moi. C'était un message de la part d'Eddie Winter. Je vois rien. Ok. Ok. Ouais, le recul, ouais, pas mal quand même. Oh. Ouais. La petite musique. Oh, attends, cette musique. Ça y est. Typique de Fallout. Putain, ça fait plaisir. Tu sais que t'as trouvé un truc de ouf, que t'as découvert un point de vue ou autre. C'est toujours stylé. Inspecteur Valentine. Nick, écoutez. Je suis désolé. Vous avez toutes les raisons d'être en colère.
croire quand je vous dis que je n'en savais rien. L'opération fin de l'hiver était mon bébé. J'y ai cru, et j'y crois toujours d'ailleurs. Mais ils ne nous ont rien dit, ni à moi, ni à personne. J'ai tout appris durant le briefing de cet après-midi. La totale. L'accord que Winter avait passé avec le procureur. La promesse qu'il lui avait faite de trahir tous les autres. Depuis le début, c'était ça le plan. On ne peut rien y faire. Winter était une balance pour les autres. Il faisait directement ses rapports au BADTL. On va se calmer là, faudrait que je me soigne quand même. Sombre. Ah oui. Ah ouais ouais. Ok. On était dans une salle d'interrogatoire plutôt intéressante. À mon avis, ils obtenaient toutes leurs réponses, hein. Même plus. Établi d'armes, stylé. Hop là. Ça pèse beaucoup moins lourd un hein, Fatman comme ça. Plutôt que en parfaite condition. Tout ça, je lis pas, franchement. Ce n'est que très peu intéressant. C'est bon. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé que ça sentait le piège. Mais non. Attends, il y a des clés là où je rêve. Dégage. Clé du chef. Ça tombe bien, c'est moi. C'est des clés dont j'aurais eu besoin tout à l'heure, je pense. Je vois pas pour quelle porte. Je pense que je me suis débrouillé sans. Ok, allez, on se casse. Et on est de retour. Et je peux pas me TP parce qu'il y a des ennemis, putain. Je ne veux pas vous affronter. Laissez-moi tranquille. Non, mais... Je veux être tranquille. Par pitié. Non, mais encore. Ah, ils abusent là. En plus, ils sont nuls quoi. Non, pas encore. Ok, c'est bon. Et merci pour ton follow, même si ça se voit pas sur le stream. Parce que j'ai coupé les notifs, tu sais, pour le record YouTube. Pour pas que ce soit trop chiant. Mais merci pour ton petit follow. Ça me fait très plaisir. Du coup, on va aller là. On va se taper ici. Au gouffre du vieux gosier. Incroyable, ce nom. Vivement que je fasse Fallout 3 à New Vegas. Ah là là. Alors. Droit devant. Ça me manque de jouer au basket. Faudrait qu'on y retourne avec avec Python, mon meilleur pote. Est-ce qu'on fait de la découverte? Ouais. Allez.
Changement de programme. Ah! On peut pas rentrer. Ok. Parfait. Oula, ok. Pas tout de suite. Un petit peu d'explo parce que bon, elle est de comico en comico. C'est pas que c'est relou, mais c'est relou. Surtout qu'on fait ça depuis environ 45 ans consécutifs. T'as fait quoi sur Fallout depuis 2 jours? Ah bah, j'ai visité les comico. Incroyable, hein. Ma vie est nulle. Hop, allez. Le sous-sol du collège de Malden. Allez, moi je dis qu'il y aura des ghouls. Ouais, des ghouls. Ouais. Peut-être des fangeux. Ouais, quoique non. Non, pas de fangeux, pas ici. Des ghouls. C'est bien éclairé déjà. Enfin, c'est plus ou moins. Seigneur. Ah bon? Qu'est-ce ah bon? Alors ça? Si je m'y attendais? Quelqu'un approche. Je sais pas ce que c'était, mais ça a filé. Mais... Arrête! Mais. Oh. L'IA. Mais oh, j'en peux plus! Où est-ce qu'elles sont en plus? What the heck? Ça se. Non, pas en 2020. Pas de remarques sexistes. Elle est où cette conne? C'est quoi ça? Ah, j'ai voulu le quickscope, non! Attends, quickscope ou pas? Bon, ça marche aussi. Allez. On va prendre ça. C'est bien, ça va me faire des cartouches pour mon autre sniper. Je crois qu'il tire du plasma, je suis pas sûr. Ah, non. Je pensais, mais non. Ouais, voilà, c'est toi que je cherchais. Là, y a-t-il une utilité? Non. Donc, ouais, les meufs étaient descendues là, quoi. Vous... On sait pas pourquoi, hein, mais elles y sont allées. Comme je dis, pas de remarques, tout va bien, restons friendly. Blouse Voltec, stylé. Ça limite, la blouse Voltec, il faudrait la donner à Curie. Mais Osef, Curie c'est fini, je la sortirai plus. On a beaucoup trop de potes à... Comment dire? De compagnons qu'on n'a pas encore testé. Alors, du coup, c'est l'abri combien? Attends, moi je veux savoir. On sait pas. Alors, communiqué de presse. Alors, pour publication immédiate. Voltec subventionne la sélection des familles de Malden. Washington DC. En réponse à une inquiétude grandissante concernant la sécurité de nos enfants en cas d'attaque nucléaire, la direction de Voltec a décidé de s'associer au gouvernement local de Malden, dans le Massachusetts, afin de subventionner
la sélection de toutes les familles souhaitant signer un contrat de résidence dans le nouvel abri 75. Bon, bah voilà. Ce dernier est directement relié à l'école primaire de Malden, permettant ainsi une évacuation rapide en cas d'attaque pendant les heures de classe. Protéger votre avenir a toujours été notre priorité, a déclaré un porte-parole de Voltec. L'ouverture de l'abri 75 nous rassure tous, car nous savons désormais que les enfants de Malden seront en sécurité si le pire devait arriver. Ouais, alors, encore une fois, je bégaye, c'est normal. Il est presque 4h du matin. Alors, instructions concernant la sélection. Ok, donc c'est là que ça va devenir intéressant ou énervant. Alors, Voltec propose des remises spéciales et des subventions pour les familles dont le dossier est accepté. Cette offre spéciale est réservée aux familles répondant aux critères suivants. 1. Au moins un membre de la famille est un enfant de moins de 15 ans. 2. Les enfants doivent être inscrits à l'école publique de la communauté de Malden. 3. Le groupe sélectionné comprend au maximum 2 adultes par enfant accepté. Ah, donc ils avaient le droit d'être avec leurs parents. Si j'ai bien compris. Remarque, l'abri 75 permet également la sélection individuelle d'enfants pour les familles n'ayant pas les moyens de payer la place d'un parent ou d'un tuteur. C'est là que le bas blesse. Alors, protocole d'admission spéciale. C'est comme avoir une bourse. Lors de l'activation de l'abri 75, tous les résidents devront être soumis au protocole d'admission standard, dont vous trouverez les détails dans le manuel du personnel Voltec. Une fois les résidents contrôlés et désinfectés, les enfants âgés de moins de 17 ans devront être emmenés dans la zone de l'atrium. Ils y rencontreront le superviseur qui leur donnera des informations spécifiques. Tous les autres résidents devront être emmenés dans la zone d'attente jusqu'au briefing du responsable de la sécurité. Ça m'énerve de lire comme un cassos. Ok, utilité. C'est sale, utilité. Il y en a deux qui étaient inutiles. Donc 13 ans, 11 ans, 6 ans, 12 ans, 12 ans, 13 ans, 9 ans, 7 ans. Il y avait 1, 2... Il y avait 2 filles, et encore, Ashley, c'est un nom mixte, c'est un prénom mixte aux États-Unis, donc il y avait peut-être qu'une seule fille. Je crois que Emery, c'est un nom féminin, pas sûr. C'est même pas sûr qu'il y avait de filles. Bref, on s'en branle. Let's go! Mais non, mais attends, je suis pas encore là. Nick. Commencer abri 75. Ah. Well. Explorer. Bonjour. Wow, attends, ils font mal là. Non, il n'y en avait qu'un seul qui faisait mal. Il tire avec quoi? Avec son pistolet? Ah ouais. Il m'a défoncé. What the fuck? Il avait des objets d'enfant, mais c'était un adulte. Non, faut que je mange des steaks, des trucs qui pèsent lourd, là. Sinon, je vais jamais m'en débarrasser. Je sais que ça sert à rien, ce que je viens de faire. À part me donner des radiations, mais... Mais bref. Peu importe. Hop. Il faut la carte. Oui, très bien, oui.
c'est exactement la réaction que j'ai eue. Quoi? Hein? Bonjour. Putain, quand j'ai vu la grenade... Ils ont quand même lancé une grenade à l'aveugle. Hein. Non. J'engage le combat avec l'ennemi. Et voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Désingle, il mérite que ça. Oh. Oh. Sombre. Oh, en même temps, l'autre il se bat avec une matraque. Je vais pas faire de commentaires, mais bon. Enfin, c'est ce que je viens de faire finalement. Ok. Oui, oui, oui. Oh là là, c'est grand. J'avais cru voir des SIG, mais non. C'est la suite de du lieu, ça, ou pas? J'en ai bien l'impression. On va pas y aller tout de suite, du coup. Petit F5. Petit soin. C'est le même poids, de toute façon. Hop, on bombarde. On va les débusquer. On peut pas monter, par contre, là. Cette arme, elle est... Dégâts subis... Ah! Ouais, mais je m'en branle. Ça sent le rat de scorpion! Non? Du marbre? Ah ouais, ok, je peux récupérer du marbre, putain. Ok, je savais pas. Très bien, très bien. La physique. Quel plaisir. Ah. Ah. Le gros crevard que je suis. Bon bah du coup on est forcé d'aller là-bas. Ça, rien. Oui. Ok, j'avais pas vu qu'il était légendaire. Bon, là on peut pas y aller. Ils en font plus des comme ça. Hé. Silence.
Silence, chienne de femme. C'est une référence, c'est sur Twitter. Hein. C'est une image. Putain, mais c'est grand, je sais pas par où aller en fait. Je ne veux rien louper. Ok, c'est bon. Ah! Je pouvais attendre que tu finisses, hein, tu sais. Par contre, faut lever la cuvette, quoi, si tu veux. Si tu veux faire tes besoins. Bon, ça c'est fait. Ça c'est pas fait. Hop. Donc là. Là c'était. Ouais, c'est des tapis. Il y avait même un petit superviseur là pour chronométrer les temps que les gens y faisaient. Sympa, mais j'ai mieux. Ok. C'est grave stylé. C'est très beau. Ça sent le gros combat, mais. Terminal de simulation de combat. Ok. Redémarrer de parcours. Je vous nique, pardon. Est-ce qu'il faut attendre? Ouais, je pense. Alors, meilleur score, je vous nique, 25 secondes. Ok, ok. Je me sens chez moi ici. Quoi? Quelqu'un approche. Là. Non, il faut avancer, faut faire quoi? C'est un truc genre dynamique? Ah ouais, ok, ok. Putain, non, bah, j'ai perdu trop de temps là. Ah, je suis deg. Voilà, c'est bon. Bon, on va le recommencer. J'ai envie de le faire. Ah, c'est que ça? Ok, ok. Ça va, je vais le faire en 2-2. Ok, ok, ok. Aucun putain de problème. On va fouiller l'endroit, ensuite on recommence. Putain, j'ai cru que c'était un piège. Quand j'ai sauté, je me suis dit merde. C'est pas mal cette petite simu. Ok. Ok. C'est quoi ça? Bon, par contre, ça m'avance pas. J'ai toujours pas la. Ouais. La carte. La carte magnétique. Et ça, c'est chiant. Bon, là, y'a rien. Là, y'a un putain de cadavre qui bug. C'était où déjà? C'était là. Des terres. Des terres. Début du parcours dans 3, 2, 1. Commencez. Dynamique, dynamique. C'est sûr que j'ai mis moins de 25 secondes. Je veux inscrire mon nom. MV. Yeah! Ah, c'est stylé! Mais c'est tout, du coup. Je crois. What? Un sas. J'avais pas fouillé ça? What the fuck? Ouais, mais comme j'ai dit, ça m'avance pas en fait. Merde. Que faire? Attends, j'ai loupé un truc. Dans la grande pièce, on peut peut-être monter. Il y a un escalier que j'ai loupé, quelque chose. Oh putain, je l'ai. Ok, nickel. Ok, ok. Ah, je pensais que je l'avais pas chopé. My bad. Tout va bien, tout va bien.
Attends, je fouille tout. Ça, on va l'ouvrir. Je n'ai pas la carte. D'accord, là non plus. Ah si, là c'est bon. Là c'est la suite, je pense. Ou alors là c'est la suite. Je ne sais pas. Oh c'est grand. Oh. Quel enfer. Ah. C'est le début ça. Donc j'avais loupé des balles. Ouais. Ok ok. Ça marche. Du coup attends c'est où putain. C'est là. Donc il me manque une carte encore. Bonjour. Moi. Ça va faire mal. Ça c'est tentant. T'es la one shot. Mes XP. Tu voles mes XP. Adieu. Ah, y'a un boss. Ok, ok. Enfin, un boss. Vas-y, on va aller voir le boss parce que je pense qu'il est enfermé. Bon, ça va. C'était tranquille. Yeah. Excellent. Donc normalement, profitez d'un essai. Ok, ok. J'ai gagné un point de... Non, j'ai pas gagné de point, on dirait, d'intelligence. Et c'est là... Non. Ah, ok, ok. Ah, ils m'observaient depuis le début. Ils ont vu que j'étais chaud. Ils devaient avoir peur. Ils se sont dit merde. Merde. Alors attends, ok, bon, peu importe là où je descends. Ah non, ça a une importance, autant pour moi. Bah, ça a l'air d'être de ce côté, donc on va aller là. Attends, j'avais pas vu ça. Ok, y'a rien, c'est pour ça que je l'avais pas vu. C'était les dortoirs. Perspicace, je sais, je sais. Ok, et ça n'avait finalement pas d'importance. Alors. Instruction pour les chercheurs, station d'aérobic. Cette station a pour but de mesurer et d'améliorer les capacités aérobiques et la santé cardiovasculaire des sujets de test. En tant qu'opérateur du tapis de course, vous devrez régler l'inclinaison et la vitesse afin d'atteindre et de conserver le rythme cible du sujet. Une fois ce rythme maintenu pendant plus de 60 secondes, augmentez progressivement la difficulté jusqu'à atteindre, voire dépasser la fréquence cardiaque maximale. Guide de rythme cardiaque, tout sujet. Âge minimum, cible optimum max. Ça me paraît beaucoup quand même. Et pourquoi les plus jeunes, ils ont le rythme cardiaque le plus élevé? Genre en vrai, genre les bébés ont plus de rythme cardiaque que les vieux par exemple? Ou que des adultes normaux? En vrai? Je sais pas. Intéressant. Alors directive sur les effets secondaires. Inacceptable, arrêter le test en cas de risque. Arrêt cardiaque, mort, acceptable, poursuivre le test, tension musculaire, nausée, vomissement, perte de conscience. Ah ouais, tu perds conscience, tu continues à courir quoi. Pas de pitié. Attends, il y a marqué quoi là? Note de recherche. Donc Nina. Attendez, pose le chat à fin. Hop. Tiens, gros. Bon hop. Alors, Nina ne va pas le croire.
J'ai été sélectionné pour intégrer l'équipe de recherche. Je me doutais bien que certains adultes restaient dans l'abri pour aider le superviseur. J'avais raison. Tout le monde n'est pas obligé de retourner à la surface. Ils ont dit que je serais plus utile ici, et ça me convient parfaitement. J'aimerais pouvoir lui dire que je suis toujours là, que je peux toujours la voir, elle sera diplômée dans 2 ans. Ils lui permettront peut-être de rejoindre mon équipe si les résultats sont assez bons. Je n'ai mon diplôme que depuis quelques mois, mais je me sens déjà beaucoup plus mature que les gamins que j'observe chaque jour. Roy et James continuent de parler de leur projet pour prendre le contrôle de l'abri, comme si on n'était pas déjà tous au courant. Robbie et Becca continuent de sniffer du propergol. On les voit faire aussi. Ils n'ont aucune chance de me rejoindre dans l'équipe de recherche. Enfin, je suis content de pouvoir garder un œil sur Nina, même si ses résultats sont plutôt médiocres. Contrairement à moi, elle n'a jamais été douée pour les études. Ses performances physiques sont excellentes, par contre. Je suis sûr qu'elle intégrera une bonne équipe elle aussi. J'espère juste que j'aurai la possibilité de la revoir avant qu'elle rejoigne la surface. Le responsable Bissell a perdu plusieurs documents de son porte-bloc ce matin. Il était très angoissé. Il a passé la majeure partie de la matinée à les chercher, avant de me prendre à l'écart et de me demander de les retrouver pour lui pendant qu'il allait voir le superviseur. Il tient vraiment à ce que personne ne soit au courant. J'ai fini par découvrir que les documents avaient été aspirés par une bouche d'aération en les entendant claquer dans la conduite. Impossible de les récupérer sans descendre. Malheureusement, Roy a été plus rapide que moi. Je vais dire à Bitzel que je ne les ai pas trouvés. Ok, donc les sujets d'études ont été... Enfin, les enfants, en gros, je pense, ont été au courant de des recherches. De certains trucs, en tout cas. Bizarre. Le stand de tir est dans un état déplorable. J'ai demandé au superviseur de nous offrir le matériel nécessaire à sa rénovation. Mais elle m'a simplement répondu de faire avec les moyens actuels. Elle m'a ensuite rappelé que le stand n'est pas ma responsabilité. Je ne pensais pas qu'elle refuserait de charger quelques diplômés de nous aider. Mais j'imagine qu'ils sont très occupés. Et qu'elle prend un risque à chaque fois qu'elle sort pour les voir. Elle changera peut-être d'avis à la cérémonie de l'an prochain, quand elle emmènera les nouveaux sortants à la surface. Ok. C'est quoi ça? Eh ben j'en ai aucune idée, putain. Hey, jette un coup d'œil là-dessus. Hey. Oh ta gueule. Oh non. Non, stop. Merci, mais stop. C'est bien, il m'a montré un truc que j'avais pas vu. Ok. Ok, c'est encore en hauteur par rapport au stand de tir. Donc c'est vous qui le portez. La colle. Je veux la colle. Oui. Ah, donc tout le monde m'a vu en fait. Je suis timide, arrêtez. Oh. Ok, tout va bien. Ouais, donc ça c'est bon. Putain, je suis perdu. Ça y est. D'où viens-je? De l'âge. Non, enfin, faut que j'aille l'âge. Est-ce que j'avais fouillé? Je me rappelle plus. Non. Putain, 21 balles de calibre 50, ça rigole pas du tout. Attendez. Hop. On reprend la gamelle. Vous connaissez la musique. La sœur de mon chat est toujours au régime, donc il faut pas qu'elle touche aux croquettes de monsieur. Hop. Psycho, meilleure drogue, n'oubliez jamais. Terminal d'assistant. James Roy. Ok, donc c'est les deux cassos dont il parlait là-bas. Programme de test.
Alors, fermé pour maintenance, nanana, fermé pour le déjeuner, préparer le laboratoire, nanana. What the fuck? Erreur, ok. Protocole de test. Ok. PRV3. Si votre nom n'est pas Roy ou James, alors dégagez. Bonjour, James. 15h34. J'ai réussi à modifier le programme d'entraînement. Plus de tests après le déjeuner pendant quelques jours. Ou plus de tests. La langue française. Si le superviseur a bien des taupes comme tu le penses, elles n'ont visiblement rien remarqué. Bref, ça va nous laisser le temps de tout préparer à l'abri des regards indiscrets. Tu peux me laisser des messages sur ce terminal au besoin. Il doit être bien sécurisé maintenant. Ah oui, grave. On peut commencer à stocker des munitions ici. Personne ne verra rien si on sort une ou deux balles du stand de tir à chaque fois. Je n'ai pas encore trouvé de détonateur adéquat. Mais il va nous falloir pas mal de temps pour accumuler assez de poudre avant que ça devienne un problème. Résistance. Qu'est-ce qui nous attend à ton avis? Dans le pire des cas, tous les supérieurs qu'on a vu partir. Pas très rassurant. C'est quand même peu probable, je parie, qu'il y a pratiquement que des intellos, peut-être même des robots. Selon le robot, je préfère encore affronter des excellences à la surface. Et il nous entraîne à être plus fort qu'eux, on verra bien comment ça se passe le moment venu. Ok. 1 et K. James, tu as réfléchi au cas des plus jeunes? Si on tente une sortie pendant la sieste, ça devrait bien se passer. Il faudra quand même s'assurer d'avancer au maximum. J'espère que ça va marcher. On devrait peut-être en laisser quelques-uns en arrière pour les surveiller. Bonne idée. On peut faire confiance à Alma, non? Essaie de lui parler pendant les tests de demain. Elle est d'accord. J'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. En gros, il y avait une insurrection, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je viens de là, putain, je suis perdu. Là, il y a des corps. Là, il y a des corps. Oh, je suis perdu. Non, attends. Tac. Non, moi, je venais de là, normalement. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Je me suis retrouvé. F5 parce qu'on s'est retrouvé. Non, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Hop, on dégaine. Je sais pas pourquoi j'avais rengainé, je pense qu'on dit comme ça. On dit ça comme ça. Ok. Hop. Fouiller la zone de l'administrateur. Tu vas morfler. Quoi? Je t'ai loupé. Niveau 51, quel plaisir. Ah, ok, je vois ce que c'est. Bruh. Pourquoi tu m'accompagnes dans la douche, toi? Et pourquoi c'était fermé, ça? Y'a rien! Ok. Si tu veux. Qu'est-ce que. Attendez, 2 secondes. J'ai envie de lire. Responsable scientifique uniquement, confidentiel, nanana. Alors, directive principale.
Je pense qu'on va grave lire là. Enfin, que je vais grave lire. Alors, bienvenue dans l'abri 75. Comme expliqué dans vos directives confidentielles, l'abri 75 s'inscrit dans le cadre d'un programme militaire top secret. Vous avez été sélectionné pour vos compétences, votre expérience et votre engagement pour l'amélioration du génome humain. Il est de la plus haute importance que vous appliquiez à la lettre les protocoles ci inclus. La mission fondamentale de l'abri 75 est l'élaboration d'un génome humain supérieur. Votre équipe suivra le programme de recherche proposé par Schlett, Braun et Lamb. Vous travaillerez en collaboration avec un superviseur possédant une expérience militaire. Il sera responsable de l'entraînement et du maintien de votre population de test. Il est essentiel que vous entreteniez de saines relations de travail. Résumé d'expérimentation. L'abri 75 représente une chance sans précédent pour prouver que le génome humain peut être amélioré à grande vitesse en combinant reproduction sélective, traitements hormonaux, manipulation génétique et cycles opérationnels accélérés. Les objectifs expérimentaux de l'abri 75 sont détaillés dans les manuels qui vous ont déjà été remis. Cette expérience devant être conduite sur plusieurs générations, des possibilités de recherche imprévues se présenteront peut-être. Leur exploitation et les divergences éventuelles avec le protocole de base sont autorisées, à la discrétion du responsable scientifique. Renouvellement du personnel. L'abri 75 étant le siège d'une expérience à long terme en environnement clos, il sera essentiel de renouveler périodiquement le personnel. Ce renouvellement sera assuré par un recrutement sélectif des sujets sortants. Nous prévoyons qu'un certain pourcentage des résidents présentera des scores d'évaluation intellectuelle élevés, mais des niveaux d'aptitude physique insuffisants pour que leur génome soit conservé. Ces sujets pourront se voir offrir une place au sein du personnel, à la discrétion du superviseur et du responsable scientifique. Ceux qui refusent devront être éliminés de la même manière que les sujets non qualifiés. Notez que les membres du personnel recrutés de cette façon devront être tenus strictement à l'écart du reste de la population pendant au moins 15 ans. Ce, afin d'éviter que les sujets de test puissent les reconnaître. L'accès au laboratoire de génomique doit être limité aux membres les plus fiables et les plus compétents du personnel. Le responsable scientifique doit choisir ces individus avec le plus grand soin et s'assurer qu'ils sont suffisamment bien formés à leur tâche. Protocole de prélèvement génétique. Les sujets sortants, âgés de 18 ans, présentant des résultats d'évaluation supérieurs à excellents dans les catégories physiques, mentales, sociales, devront être transférés au laboratoire de génomique. Chaque cas devra être traité de manière individuelle et avec le plus grand soin. N'oubliez pas que les sujets les plus brillants seront probablement capables de résister au personnel. Prétextez une nouvelle série de vaccins si nécessaire, et évitez à tout prix d'éveiller le moindre soupçon. Chaque sujet devra posséder un fichier indiquant spécifiquement quels organes doivent être préservés pour de futurs tests. Assurez-vous de l'application stricte de ces instructions et du stockage rapide des spécimens. Rapport génomique. Et encore un dossier. Donneur génomique. Les résultats ont été exceptionnels cette année, avec de nombreuses évaluations de rang supérieur dans les différentes catégories physiques. Nos prises de risque sur les organes vitaux commencent à porter leurs fruits. Le problème posé par les seuils de douleur est globalement résolu depuis des années, et nous commençons enfin à être débarrassés de celui des arrêts cardiaques en cas de sollicitation extrême. Le matériel génétique acquis cette année devrait permettre à la prochaine génération d'atteindre des objectifs que nous pensions encore éloignés d'une bonne dizaine d'années. Quelques inquiétudes à signaler concernant l'agressivité des sujets. Nous avons toujours eu à déplorer des dépressions graves dues au stress, mais les incidents sont nettement plus importants avec ce groupe. Je vais recommander la synthèse de nouveaux tranquillisants à mettre en réserve.
La nourriture reste le meilleur vecteur d'administration de drogue pour la population, mais il faudra prévoir quelque chose pour ceux qui intégreront l'équipe scientifique. Je vais boire un coup parce que là j'en peux plus. Vous vous rendez pas compte, mais lire comme ça qu'on n'a pas l'habitude. Tu sais, parce que d'habitude, quand tu lis à haute voix, c'est à l'école, après t'arrêtes. Donc là, j'ai plus l'habitude. Donc je me permets de boire. Évidemment, j'ai bu de travers. Nickel. Quel plaisir. Alors, nous... Putain. Nous n'avons pas eu besoin de recruter qu'une seule personne cette année. Oh, ma voix, elle est éclatée. Washington a intégré mon équipe de génétique. Ses performances physiques étaient très faibles et ses capacités de raisonnement et de résolution de problèmes sont excellentes. Le superviseur s'inquiète de son attachement envers certains membres plus jeunes de la population. Je crois qu'il parle de la personne dont on a lu les rapports là il y a quelques temps, celui qui parlait de Nina et tout. Je ne partage pas ses craintes. Son profil psychologique indique qu'il est hautement influençable. Nous allons le garder en observation le temps que ces personnes terminent elles aussi leur entraînement. Ceci devrait nous laisser le temps de l'habituer progressivement aux protocoles expérimentaux sans risque de rébellion. Il suffit de lui cacher la vérité jusque-là. Hop, éliminé. Nous avons un taux d'élimination très bas cette année, à peine 74% de la classe sortante. Les anciennes incinérations auront lieu dans la semaine. Un bon début pour Washington avant qu'on passe aux choses sérieuses. Archive. Erreur, archive corrompue, mes couilles. Ok. On a terminé ici. Let's go. Putain, j'ai failli mourir pour lire ce texte, quoi. Hop, petite sauvegarde. J'espère que ça en valait la peine. Putain, le recul, par contre. Évidemment. J'aurais dû m'en douter. 69 XP. Encore des terminaux, seigneur. Je ne vois rien d'intéressant. Petit logo sympathique. Raccourci vers l'atrium. Ok. Terminal du superviseur, c'est le plus important. Attends, ça mène où? Ah, ok. Bruh. Ça y est. Par contre, j'en avais aucun souvenir. Non, je vais pas le prendre. Je préfère faire de l'XP en déverrouillant moi-même le coffre-fort. Ouais, donc comme je disais, je n'avais aucun souvenir de cet abri 75, en fait. Oh ouais. 5%, ok, on s'en bat avec. De toute façon, j'utilise pas le corps à corps. La clé, on la prend pas. J'ai pas vu le coffre, par contre, je suis aveugle. Et ça, c'est beau. Là. On va prendre la clé pour la forme. Terminer un petit objectif. Alors. Bien évidemment. Ça. Ah, terminé. Ok, nice. Bon bah, let's go, on va lire. Oh putain. Fuck man. Bon, vas-y, j'ai commencé à tout lire, je terminerai en lisant tout. C'est parti. J'espère que vous êtes chaud. Enfin, j'espère que je suis chaud. Les chefs d'équipe sont responsables de l'admission des résidents et du suivi des protocoles standards d'assainissement et d'analyse. Le personnel scientifique est tenu d'apporter son aide aux besoins, mais sinon de rester dans l'aile qui lui a été attribuée. Les adultes âgés de 17 ans et plus seront isolés par le responsable de la sécurité, qui se chargera ensuite de s'en débarrasser.
Les enfants âgés de moins de 17 ans doivent être amenés directement à l'atrium. En tant que superviseur, vous avez la responsabilité de présenter aux enfants les robots chargés de leur garde et les dortoirs. On n'a pas vu de robots par contre, ni de cadavres de robots, etc. Les protocoles de recherche ne commenceront pas avant la deuxième semaine de confinement. On connaît bien. Il vous est recommandé de participer chaque soir aux séances de récits d'histoire avant l'heure du coucher. Politique familiale. L'abri 75 a été construit dans la municipalité de Malden, où un accès subventionné au programme de résidence a été offert à toutes les familles ayant des enfants entre 5 et 16 ans. Cette mesure devrait permettre de maximiser le nombre de résidents admis en cas de crise nucléaire. En cas de nécessité, il sera préférable de laisser certains enfants avec leur famille dans le SAS, plutôt que de permettre à des adultes de les accompagner dans l'atrium. Ces sujets ne seront pas admis parmi les résidents. Un certain degré de détresse est à prévoir pour les premiers jours. Reportez-vous au protocole de réconfort de Voltec. VTOEG, section 127.1, en cas de besoin. Tâche du personnel. Le personnel administratif et de sécurité affecté à l'abri 75 a reçu des instructions standards, disponibles dans le manuel d'opération. Le personnel scientifique est tenu de rester dans l'aile qui lui est attribuée, à l'écart de tout contact physique avec les résidents, excepté en cas de circonstances particulières. Le superviseur pourra, à sa discrétion et une fois par an, engager du personnel scientifique supplémentaire parmi la population de l'abri. Dans cette éventualité, il conviendra d'annoncer aux résidents que les personnes recrutées ont quitté l'abri. Directive à l'attention du superviseur. 1. Il convient de se débarrasser, chaque année, de résidents âgés de 18 ans et plus. 2. Les résidents montrant des particularités génétiques prometteuses doivent être conservés pour extraction de génome et réintégration. 3. Les résidents montrant des particularités génétiques moyennes, mais d'une intelligence et d'une docilité supérieures, pourront être recrutés par le personnel scientifique à la discrétion du superviseur. 4. Tous les autres résidents dont il convient de se débarrasser devront être éliminés. 5. Le personnel scientifique est responsable de la culture d'embryons, afin de conserver un nombre approprié de résidents. 6. L'abri 75 doit rester fermé jusqu'à l'émission d'un ordre de fin d'alerte par Voltec. Attends. Protocole de rotation annuel. Au bout d'un an d'isolation, les jeunes de plus de 18 ans devront être séparés du reste de la population. Putain, il se répète, hein. On a compris là, c'est bon. Cette procédure aura lieu chaque année à une date choisie par le superviseur et le responsable scientifique. Il est recommandé de considérer cette transition comme une tradition importante au sein de l'abri 75. Des cérémonies appropriées devront être élaborées et conduites par l'équipe du superviseur. Les sujets concernés étant extraits un par un de la zone de vie principale. Une fois séparés des autres résidents, les sujets présentant des résultats globaux d'évaluation supérieurs à excellents seront transférés au laboratoire de génomique pour traitement. Se possédant des résultats supérieurs à excellents dans le domaine, faire des postes, on l'a déjà lu. Tous les autres, éliminés. Ok, bon, ils sont répétés 25 fois, j'ai le démon. Journal du superviseur, ok, ça c'est intéressant. On va lire d'abord l'état de l'abri. État de l'abri inconnu, voir les détails ci-dessous. Recherche. On a pas encore trouvé les trucs de génome, tout ça. Hein. Place disponible 100%, place disponible 100%, c'est normal, tout le monde est mort. Générateur en marche, état normal. Recherche, ok. Attendez, je me gratte. Le mollet, pour être précis. Nouveau chercheur. La nouvelle recrue du service scientifique me préoccupe. Il est censé se contenter d'observer, tout en étant lui-même surveillé de près. En attendant que les sujets qu'il connaît aient été traités. Je sais bien que ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, mais là, j'ai un mauvais pressentiment. Je commence à regretter d'avoir accepté. Problème de capacité de la nursery. Nursery. Ils l'ont écrit à l'américaine, là. La nursery.
La crèche manque de place. Le service FIV a tout ce qu'il faut. Mais l'introduction de nouveaux résidents dans la population va poser problème. Je préférerais attendre la prochaine rotation. Il faudra que j'en discute avec le responsable des recherches. Incendie aux archives. Bon sang. Un incendie s'est déclaré dans les archives à cause d'un problème de câblage électrique. On a perdu du matériel qui risque d'être difficile à remplacer, voire impossible. Le service scientifique a perdu beaucoup de données de recherche, mais apparemment, des assistants avaient commencé à les retranscrire sur papier. On n'a aucune trace de ces papiers pour le moment. Certains des verrous se sont désactivés quand l'incendie s'est propagé, bien que ce soit préoccupant. C'est ce qui nous a permis d'éteindre les flammes rapidement. Si les verrous avaient toujours été en place, il aurait fallu ouvrir les portes manuellement. Et du coup, bah, je crois que c'est tout. Hein. Ouah, il m'a fait peur ce ouf. Il m'a fait peur. Bref. Bah, du coup, je crois que c'est bon. Hein. Ça fait bizarre de jouer. Ça fait 10 minutes que je lis. Non. Ouais, non, j'avoue, ça fait 10 minutes. J'ai regardé le timer, on était à 57 et là on est à 06, donc ouais, ça fait 9 minutes. J'ai même pas menti. Ok, donc là bah, on y était déjà allé. Atrium. Mais attends, la classroom et tout, j'y suis pas allé moi. C'est pour ça qu'on fait des sauvegardes rapides. Bon bah j'espère que... Enfin... En vrai j'ai lu... Je sais même pas s'il y a des gens qui regardent, tu vois. J'ai peut-être lu dans le vent, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Au moins j'aurais lu jusqu'au bout. Sur YouTube, je sais pas si on me regarde... Jusqu'à ce temps-là, parce que la moyenne de visionnage est très faible sur c'est YouTube, bon. Mais bon... Peut-être qu'il y a des gens qui kiffent. Mais bon, si, en vrai, de toute façon, comme je dis, c'est la passion. Donc, s'il y a un seul connard, donc salut connard, s'il y a un seul connard qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout, bah, c'est une victoire pour moi, ça me fait plaisir. Donc, merci connard. C'est à prendre sur le ton de l'humour, évidemment. Oh. Ah non. Ah, si. Hop. Je savais même pas qu'il y avait du stuff là. De toute façon, si je faisais ça pour le pognon, pour revenir au sujet d'avant, ça saurait. Et puis surtout, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Donc voilà. La passion. La passion avant tout. Tac, tac, tac. La persévérance aussi, avant tout. Donc j'ai skip un PC, je crois. Je sais plus où. Je ne sais plus où. Ah oui, c'était là-dedans, dans la classroom. Héros du monde d'en haut. Si c'est une histoire de merde, ouais, moi je lis pas ça. Je vous laisse faire pause. Ah, attends, non, ça parle de l'abri 75. On va voir s'il leur retournait le cerveau. Je pense que oui. Alors. Il était une fois une petite fille appelée Sue et un petit garçon appelé Roy. Sue et Roy vivaient dans un endroit très spécial, l'abri 75. C'est là qu'ils étudiaient, s'entraînaient et jouaient. Et quel entraînement! Ils devenaient plus grands et plus forts d'heure en heure. Mais un jour... Ils furent convoqués chez le superviseur. « Qu'est-ce qui ne va pas, madame ?» demanda Sue. « Pourquoi pleurez-vous, madame ?» ajouta Roy. « C'est terrible !» se lamenta le superviseur en séchant ses larmes. « Savez-vous que le monde d'en... Ce qu'est le monde d'en haut ?» Perplexe ? Les enfants hochèrent la tête. « Qu'est-ce que c'est ?» demandèrent-ils. « Oh, c'est un endroit terrible !» Et le superviseur commença à leur parler de la surface. Elle leur expliqua que les gens qui y vivaient n'étaient pas forts et en sécurité comme les enfants de l'abri 75. Que des monstres les attaquaient et que des bandits volaient leur nourriture.
que ce n'était pas un endroit pour élever les enfants. Vraiment pas. Les pauvres gens, s'exclama Sue. Pourquoi personne ne les aide, demanda Roy. Vous avez raison, répondit le superviseur. Ils ont besoin de quelqu'un de grand et fort pour les protéger. Mais qui demandèrent Sue et Roy. Vous, un jour. C'est pour ça que vous devez être les meilleurs dans vos études et votre entraînement chaque jour. Pour devenir fort et faire du monde d'en haut un endroit sûr et heureux pour tous ces pauvres gens. Sue et Roy sourirent en entendant ces paroles et partirent en courant suivre leur leçon, impatients de pouvoir être utiles. Bon, ça va, c'était pas ouf. Enfin, c'était pas méchant, quoi. Ok. Leçon d'aujourd'hui. Ok. Bon. Et il pouvait être 12 à peu près, max. Tiens, ça, je l'avais pas vu, je crois. Ouais. Élure, du coup, là-bas. Ça, on n'y est pas allé. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. 12 places dans l'école pour 16... Quoique, non. Ah, ils sont malins. Là, il y a 12. Attends. Ouais, 12, c'est ça. 13, 14, 15, 16. Ok, ils avaient tout prévu. Les petits détails comme ça. Bethesda. J'aime bien. Et donc, il y avait un putain de chemin que j'avais pas vu. Bruh. Bon, bah, du coup, faut qu'on se casse. Je vais quand même remettre une quête. Pour trouver un peu la sortie. Si j'y arrive, parce que ça paraît loin. Security. Là, on sait pas où ça va. Je vais me perdre, c'est sûr. Labo observation. Ça doit pas être par là. Peut-être à la sécu. Ah, attends. Là, c'était le début, non? Non. Là. Ça doit être là. Ouais. On progresse. Merde. Fuck. Merde. Alors tu vois dans Skyrim, pour éviter de te perdre, t'avais un sort qui s'appelait clairvoyance. Et ce sort, ce qu'il faisait, c'est qu'il t'indiquait le chemin de ton objectif. Enfin, il t'indiquait le chemin pour aller à ton objectif. Or, là, j'ai l'impression que je peux aller bien me faire enculer. Donc c'est un peu chiant, quoi. C'est un petit peu chiant. Oh, putain de merde. J'ai envie de pleurer. Ah, j'ai envie de pleurer. Ça m'énerve. Pourquoi faire simple quand on peut faire putain de compliqué? Screening. Ah, je me rapproche. Oui! Non. Oups. Eh ben mon vieux, j'étais loin de me douter que fouiller un putain de sous-sol de collège serait aussi long. Mais bon, c'est ça qui est beau dans Fallout. C'est plein de surprises.
Du coup, bah voilà, hein, je vais pas attendre que le chargement se termine. On va s'arrêter là pour cet épisode, il est extrêmement long, il va peser extrêmement lourd, et je n'ai pas beaucoup de place sur le disque dur. Donc voilà, merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Salut.